Bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la deuxième partie de celle qui est sortie dimanche. Aujourd'hui, on va faire vos pires tu préfères. Donc, j'en ai eu des salaces, ça, fallait s'y attendre. J'en ai eu d'un groupe, mais dont je ne vais pas citer le nom car ce sera une surprise dans une autre vidéo. Et j'en ai eu aussi le classique vu que c'est une chaîne de beauté. Donc la vidéo sera en trois parties, je vais commencer par les choix beauté. Parce que ça, c'est pas les choix où je vais devoir me justifier, etc. Par exemple, si on dit cheveux lisses ou cheveux bouclés, bah, je vais pas à me justifier, c'est des coupes personnelles, ça c'est un peu le côté express. Ensuite, je vais enchaîner sur ceux du groupe. Et pour finir, je ferai les plus salaces. Alors d'abord, sheet mask ou clay mask? Eh ben, moi c'est l'argile. Nude palette ou bright palette? Nude. Gloss ou rouge à lèvres? Là, j'irai rouge à lèvres parce que moi, ben, comme vous voyez ici, que vous avez vu dans l'autre vidéo, c'est un rouge à lèvres mat sous forme de gloss. Mais moi, je vais faire la distinction gloss, transparent, qui colle les lèvres, etc. Et rouge à lèvres normal, donc moi, c'est rouge à lèvres sans hésiter. Pinceau ou éponge? Alors, pour les yeux, par exemple, le pinceau est indispensable, mais je pars du principe qu'on parle du teint, donc éponge. Fond de teint ou poudre? J'irai fond de teint parce que la poudre, je suis pas obligée d'en mettre à chaque fois. Après, j'ai besoin de la poudre translucide forcément pour flouter le tout. Je dirais fond de teint. Mascara ou liner? Alors si vous me connaissez, vous savez que j'ai un énorme talent pour mettre mon liner. Alors je dis mascara sans hésiter, clairement. Parce que quand je mets mon mascara, ça va. À partir du moment où je teste le liner, mon look est foutu. Donc mascara sans hésiter. Crème ou huile pour le visage? Moi je dirais crème, je mets pas beaucoup d'huile, j'ai pas vraiment de sérum, etc. Donc ouais, je suis plus crème. Routine matin ou routine soir? Moi c'est sans hésiter le soir parce que le matin je me lève, je fais rien. Sauf quand je vais en cours, mais quand je vais en cours je n'ai pas le temps de commencer à faire toute une routine. Je préfère faire ça le soir que ma peau elle repose la nuit. Et le dernier, cheveux lisses ou bouclés? Donc ben moi j'ai les cheveux lisses, mais après les boucles ça me va quand même fort bien. Je veux même acheter un boucleur, mais ça fait très longtemps, donc je vais dire cheveux lisses. Je passe au deuxième, donc celui du groupe. Donc le premier, c'est Till tout nu ou Richard tout nu? Ce qui au final est salace aussi. J'irai Richard. Donc, tu préfères te faire cramer les poils de fesses par Till devant tout le monde ou devoir supporter Flake qui te raconte à quel point c'était mieux en Allemagne de l'Est pendant 2 heures? Moi, je pense que je dirais Flake parce que je ne connais pas l'Allemagne de l'Est. Avant d'écouter ce groupe là, j'aimais vraiment pas l'allemand. Enfin, après quand j'entends quelqu'un parler allemand, ça ne me ravit toujours pas, c'est pas un truc que j'adore, mais bah voilà, ça, j'aime bien quand même, bah, eux je les aime bien quoi. Et vu que je ne connais pas l'Allemagne de l'Est, je dirais que ce serait vraiment intéressant de l'entendre se plaindre pendant 2 heures, ça m'apprendrait tout plein de choses. Alors que se faire cramer les poils de fesses par Till, déjà c'est chaud. Bon, on ne crame pas les fesses donc on ne sera pas brûlé normalement, donc ça va. Mais bon, les poils de fesses c'est quand même tout petit quoi. Enfin, je pense pas qu'on ait tous des cheveux sur les fesses. Et ouais, franchement, et devant tout le monde en plus, je suis quelqu'un de fort pudique, donc ouais, Flake. Et troisième partie de cette vidéo. Donc ici, il y en a beaucoup des salaces, après il y en a des tout simples que vous allez voir, donc c'est des tu préfères normaux. Te taper ton prof ou te taper tous tes amis, y compris ceux que tu n'aimes pas? Franchement, je préfère largement me taper un prof qui pourrait être beau gosse n'importe quoi, plutôt que me taper tous mes amis, parce que pour moi ce serait compliqué de rester amis s'il s'est passé ce genre de choses entre nous, y compris ceux que j'aime pas. Alors là, me taper les gens que j'aime pas, je ne pourrais jamais. Donc ouais, je préfère me taper un prof. Ne plus jamais pouvoir parler ou ne plus jamais pouvoir voir? Franchement, je pense que je préférais ne plus jamais pouvoir parler parce que là, on peut encore écrire des messages, etc. Bon, bah, c'est compliqué parce que moi, je passe beaucoup de temps au téléphone avec mon chéri. Mais ne plus pouvoir voir et par exemple marcher, vous perdez complètement tous vos repères. Vous pouvez connaître votre maison par cœur, vous êtes fermé les yeux, vous ne voyez plus rien, vous ne savez pas où vous êtes. Donc franchement,
je préfère ne plus parler. Que tes parents te surprennent pendant l'acte ou que toi tu les surprennes? Je préfère encore les surprendre. Franchement, c'est gênant, ça détruit son enfance. Mais après, j'ai déjà entendu mes parents. Hein, ils croient être discrets, mais pas forcément. Mais que moi, on me surprenne, non, ça m'intéresse vraiment pas. Lire dans les pensées ou prédire l'avenir avec précision. Ça, franchement, je ne sais pas, je vous avoue. Donc, lire dans les pensées, ça me permettrait de savoir ce que les gens pensent de moi, même si, voilà, faut pas écouter les autres. Mais voilà, je suis quelqu'un comme ça qui a. Enfin. Après, prédire l'avenir avec précision, c'est top, quoi. Par exemple, mon chéri, je suis vraiment bien avec lui. J'aimerais bien pouvoir voir comment plus tard on sera, si on aura notre husky. On aura toujours nos chats, si je vais retrouver mon chat. J'aimerais bien savoir ça d'ailleurs. Peux pas avoir un joker dans les vidéos, franchement. Oh là là. Franchement, je ne sais pas. Moi, j'irai lire dans les pensées. Alors, le prochain, c'est dur aussi. Vivre toute seule toute ta vie ou avoir plusieurs partenaires? Aussi bien l'un que l'autre sont deux choses impossibles pour moi. Franchement, avoir plusieurs partenaires, je prends un truc tout bête. Mes poissons, par exemple, ben, des poissons, souvent on n'en a pas qu'un seul. Moi ici, ben, j'avais deux femelles et un mâle dans les combattants. Et ben malheureusement, j'avais des chouchous, je suis comme ça. Je veux surtout pas avoir de chouchous. Du coup, plusieurs partenaires, je ferais du favoritisme, mais franchement, c'est pas possible pour moi. Rester toute seule. Après, si on exclut les animaux, franchement, je préfère rester toute seule parce que du coup, je pourrais avoir un animal sans problème. Ouais, du coup, rester toute seule, je dirais. Parce que faire du mal aux autres en ayant plusieurs partenaires, en rejeter certains, franchement, je peux pas. Faire des choses romantiques ou essayer de nouvelles idées perverses. Là, moi, je suis quelqu'un de fort romantique. Du coup, bah ouais, je dirais faire des choses romantiques. La mer ou la montagne? La montagne, c'est bien. Après, si on parle genre la montagne, escalade, là, du coup, je préfère la mer. Après, le ski, c'est bien. Bon, on se casse la gueule quand on fait du ski, clairement. Ouais, bah, j'irai la mer parce que moi, je pense à la mer du Nord ici. Ce qui n'est pas méga ouf. Après, quand je pense aux plages de Bora Bora, par exemple, à Bali, etc., je préfère largement être là qu'être à la montagne. Être pauvre et belle. Ou riche et laide. Si je suis pauvre mais que je suis belle, bah du coup, ouais, je pourrais attirer les gars et tout, sans problème. Bah, les gars entiers, on les connaît. Mais si je suis moche et riche, bah du coup, je pourrais quand même faire plaisir aux gens autour de moi puisque je suis riche, je pourrais leur payer tout ce qu'ils veulent. Donc ouais, je dirais laide et riche. Tromper ton copain devant lui ou que ton copain te trompe devant toi. Je suppose qu'on le surprend et que ça fait mal. Après, moi, je suis une championne. Franchement, si trouver des excuses aux gens était un sport olympique, je serais médaillée d'or. Je n'aurais plus de place chez moi tellement j'aurais une médaille d'or. Franchement. Mais après, là, si mon copain me trompe devant moi, je peux pas dire oui, mais non, je l'ai surpris sur le fait en train de coucher avec quelqu'un, je ne sais pas. Ah mais moi, tromper mon copain serait vraiment pas possible parce que j'aurais ça sur la conscience, sera fini à cause de moi, ça me ferait trop mal, je peux pas faire du mal aux gens en fait. Donc ouais, je préférais que mon copain me trompe, même si j'espère que ça n'arrivera jamais. Coucher avec ton meilleur ami et ne plus jamais le revoir ou que ton copain et ta meilleure amie couchent devant toi. Après, c'est trompé et franchement, je vois vraiment pas. Enfin, après, je n'ai plus de meilleure amie, mais même à l'époque où je l'avais, franchement, je les vois vraiment pas coucher ensemble. J'irai coucher avec mon meilleur ami, comme ça, il y aura plus d'histoire de jalousie. J'aurai couché une fois avec lui, je ne le verrai plus jamais. Mon copain sera plus jaloux. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Certains dilemmes ont vraiment été durs, mais voilà, vous avez mes réponses, vous me connaîtrez sûrement un peu mieux grâce à ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. S'il y a des vidéos que vous voulez voir,
vous avez simplement un petit quelque chose à me dire, n'hésitez pas à mettre un commentaire, partager un maximum cette chaîne YouTube, comme ça, plus on sera nombreux, plus il y aura de surprises sur ma chaîne. Je vous fais des gros bisous.